Bonjour, je suis Jules Paravitch chez Focal, je m'occupe du car audio, marché avec les constructeurs et concessionnaires automobiles. Donc je vais vous présenter deux petits concepts de véhicules qu'on peut faire chez Focal. Donc vous avez à droite une Mercedes classe A, où on fait un concept car audio, je dirais un peu à l'ancienne, avec des produits plutôt haut de gamme. Et à gauche un concept Focal Inside sur une Mégane 4, où là on a des produits dédiés plutôt aux constructeurs. Donc je vais vous présenter rapidement la classe A. Donc là-dedans on a des produits en Kevlar, donc on a remplacé l'audio d'origine avec un kit éclaté à l'avant, tweeter, woofer, un kit coaxial à l'arrière avec un woofer avec le tweeter intégré. On a deux amplis pour driver tout ça, et on a les twin sub, donc des petits amplis, des petits caissons pardon, qui sont sous les sièges, caissons plats qui sont là pour booster les graves. Et à gauche, sur la Mégane, on a un système Focal Inside. Donc Focal Inside, c'est un concept qu'on a poussé, où plutôt que de prendre un haut-parleur et d'adapter à un véhicule comme c'est le cas pour la classe A, on va plutôt partir du constructeur où on fait un haut-parleur qui est dédié au véhicule, on remplace l'origine sans avoir à faire aucune adaptation. Donc là, ce que sur la Mégane, si vous avez un kit haut-parleur avec éclaté avec les tweeters et les woofers qui ont simplement été remplacés depuis l'origine, un amplificateur classe D qui a été intégré dans le tableau de bord et les deux petits twin sub qui sont sous les sièges aussi. Donc pour la classe A, vous avez plutôt des produits haut de gamme Kevlar qui vont avoir un très bon rendu, mais par contre qui demandent une adaptation assez forte et une modification du véhicule. Donc dans la classe A, vous pouvez voir le haut-parleur dans la portière avec une installation discrète. Voilà, tout est intégré de manière assez discrète dans le véhicule. Et dans la Mégane, normalement, on voit absolument rien du tout, c'est-à-dire que tout est intégré de manière classique, on a juste un petit logo. Et un système parfaitement intégré dans la voiture, dans les emplacements d'origine. Thank you.